Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le Dogmas numéro 26, donc joyeux Noël à tous. Normalement c'est la dernière vidéo de cette série, je dis bien normalement puisqu'il me manque toujours une box de Noël. Donc bah, pour le bon réveil, donc il est quasiment 14h, et pour le bon réveil, Amaury a eu la bonne idée de pisser partout. Il est quasiment propre depuis le début de décembre, et puis là, il a fait partout, là où il faut pas. En gros, il a pissé sur mes trépieds de lumière, il a pissé sur, c'est que j'ai vu sur le support de cache des cochons d'Inde. C'était la troisième partie, je sais même plus. Mais en tout cas, oui, là, pile sur le plaid qui dépasse du canapé des filles, là où je m'assois quand je fais les vidéos. Ce chien mérite totalement d'avoir ses cadeaux, moi je vous le dis. Enfin bref, je vais les sortir et puis après on va les donner surtout en premier les cadeaux de Skrull et on va vous filmer tout ça. Je ne pense pas. Je pense pas par rapport justement à ça. Non. T'as envie, il est encore ouvert. C'est un mug. Gros mug. Un mug qui a le bout rouge. Ça fait pas de sens, ça. Non. C'est pratique à tenir. Oui, moi ouais, ça va. Non, j'avais jamais vu. Il est trop cool. Il est étonnamment léger. Il doit être tout creux dans le... Là, ouais. Donc voilà, on se retrouve pour l'ouverture des cadeaux, malgré qu'il y en ait un qui mériterait plutôt d'avoir, comme dirait la tradition, du charbon, parce que depuis ce matin, il est juste exécrable. Je veux parler bien entendu d'Amaury. Mais voilà, on va ouvrir mes cadeaux et ceux des doudous. Donc le premier que vous pouvez voir, c'est mon petit pyjama Harry Potter que j'ai eu grâce à Antonia qui a pu réussir à me l'avoir malgré que je ne le trouvais pas en magasin. Donc avec ma petite team Poufsouffle. Non, le jeu ne me va pas forcément autant, mais voilà, je suis de la team Poufsouffle. Et pour vous montrer mon beau pantalon en mode rayé blanc et gris. Autant vous dire qu'il va aller juste au sale juste après, parce que porter ce genre de couleur quand on a des chiens, ce n'est pas du tout une bonne idée. Et c'est pas pour mes habitudes de me balader en pyjama. Donc on va ouvrir d'abord le cadeau auquel je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il m'a été tout simplement offert. Qui m'a été offert, donc merci à toi d'avance. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est emballé dans un petit... Dans un petit paquet Winnie l'ourson. Alors, qu'est-ce que ça peut être?
J'ai pensé une pop, mais ah ouais, ouais, ouais. Ah, je comprends mieux. Je m'en suis douté tout à l'heure. Donc j'ai une pop Hello Kitty en mode gamers. Alors ça, je comprends mieux maintenant parce que l'autre jour on a été Micromania et c'est pas mon chéri qui me l'a offert. Je sais pas si la personne veut le dire à qui c'est qui me l'a offert, donc je ne le dis pas spécialement, mais merci à toi. Et en fait, ce qui m'a fait rire la dernière fois, c'est que bon, on était à Micromania avec chérie et je vois les Hello Kitty et je lui dis les Hello Kitty pop, je les trouve pas beaux. Mais dans le sens où moi j'ai pas envie de me les acheter parce que je trouve qu'ils ressemblent à des. Ils sont super bien faits pour des Hello Kitty, mais c'était pas le style que je voulais. Il me dit oh, t'es sûr, tu trouves pas qu'ils sont sympas? Ils sont sympas quand même. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Mais là, ce qui change tout, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Que effectivement, je voulais m'éviter de recollectionner du Hello Kitty parce que j'essayais maximum d'enlever la plupart de mes collections. Mais voilà, ça reste une pop, c'est un cadeau et en plus c'est pas n'importe quelle Hello Kitty, c'est une Hello Kitty gamer, donc voilà. Celle-là, je pense que je vais la mettre autour de mon PC. Donc elle est celle-ci, je vais la sortir de toute façon parce que moi de toute façon je les garde pas en boîte. Alors ok, elle est rose, mais voilà, hein. C'est pas une Hello Kitty du tout comme les autres et moi je l'ai pas du tout vue en magasin, j'aurais peut-être pas réagi si je l'avais eu comme ça, je savais même pas qu'il la faisait en mode gamers. Donc elle est trop cool. Donc j'aime vraiment beaucoup. Alors que moi, celle que j'avais vue en magasin, que je trouvais en ultra basique, c'était vraiment la Hello Kitty. C'est celle-là que j'avais trouvée entre guillemets moche. Non, c'est l'autre là. J'avais trouvé entre guillemets moche parce qu'elle était ultra basique et ça faisait une Hello Kitty sans truc spécifique. Alors que celle-ci, c'est une Gamers et il y a même celle-ci avec les 8 bits qui était sympa aussi. Donc oui, celle-là. Elle va aller en déco, je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais la mettre. Pour l'instant, je la remets dans sa boîte. Donc merci beaucoup. J'adore. En fait, je l'air de rien, moi sans acheter de pop, je commence à en avoir beaucoup. Je me suis acheté. En vrai, maintenant, je commence à avoir au total. Parce qu'il y en a deux qu'on a mis dans l'étagère de mon chéri, parce que c'est plus son thème. Donc j'en ai 2, 4 et 5. Et sur les 5, je m'en suis acheté qu'une. Ça, c'est l'avantage. Au moins, vous avez peu de chance que ceux qui veulent m'en offrir, que je les ai déjà. Et le Hello Kitty, je ne m'étais vraiment jamais intéressée dessus. Et j'aurais jamais pensé à avoir un jour une Hello Kitty. Mon doudou. Vous avez vu, les filles, elles ont mis leur pyjama de Noël. Il y a même Lady, elle a mis son pyjama de Noël. Avec leurs petits nœuds et tout. Faut que je leur fasse, t'as des fils qui dépassent partout les nœuds. Donc là on va ouvrir les cadeaux de Kitty. Tu fais Kitty cadeau? Ah mais cadeau Kitty. Oh, c'est quoi là-dedans? Il avait sa tête dedans. Elle veut pas ma Kitty. Donc il va falloir que je lui mette, mais j'ai pas le collier sous la main. Vous avez vu la dernière fois, j'avais acheté le bandana de chez Emma. Qui bien entendu quand on voit la taille qu'il fait et la couleur, ne pouvait aller qu'à Kitty. Mais le truc c'est que ça ne va pas passer sur ce... Sur ce collier là, et j'en ai pas sous la main. Donc on fera des photos, je vous mettrai des photos sur Insta quand elle le portera. Donc voilà, alors en premier un petit bandana comme ça. Je suis pas sûre de pouvoir vous refaire des photos en individuel de chaque cadeau que chaque loulou ont eu, parce que c'est peut-être un peu compliqué. En tout cas, ouais, je vous ai pas montré, c'était dans sa chaussette de Noël, donc Kitty Team Serpentard, mes chaussettes de Noël qui ont été un peu compliquées à finir. Mais j'ai fini par réussir, parce qu'entre le fait que j'ai pété mes aiguilles à coudre, que ma machine à coudre ne fonctionnait plus, que je n'avais pas assez de pistolet à colle. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour Kitty, donc c'est un petit sabot de veau qui vient de chez Cani Candies. Donc voilà, on avait eu ça lors du Dogroom VIP. C'est bon ça. Oh oui, ça va te plaire. Vous allez avoir les autres, vous battez pas. Ensuite, je lui ai pris beaucoup, principalement de la nourriture de toute façon. Et je lui ai pris donc des friandises au canard parce que Kitty. Kitty va être principalement au canard parce qu'elle a besoin de grossir. Donc je lui ai pris des bouchées de canard. Donc celle de chez Action. Et en dernier, je lui ai pris une pâtée. Ouais, on n'a pas fait des trucs excessifs en cadeau. Enfin, on a encore un derrière. Donc c'est une pâtée Lily's Kitchen qu'elle va pas forcément engloutir en une seule fois parce que la boîte est quand même assez grande. Mais voilà, ça va être son petit kiff qui sera que pour elle. Donc j'attends, j'étais censée lui offrir un autre cadeau pour pouvoir mettre justement la pâtée dans un jouet d'occupation. Il n'est toujours pas arrivé, donc voilà, il nous manque un cadeau qu'à la base Kitty est censée avoir. Mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo s'il arrive un jour. Donc voilà, j'y ai pris le poisson suprême de chez Lily's Kitchen à base de hareng, de saumon et de cale, je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas si j'ai la trad. En tout cas, j'ai fait soft cette année parce qu'il y a une année, j'avais fait ils avaient une cinquantaine de cadeaux, rien qu'à eux. Mes cousins étaient tous jaloux parce que j'ai fait ça chez mes grands-parents. Donc, hareng, saumon, citrouille et chou frisé. Ah oui, c'était ça, cale, c'est le choucaille. Chez la thé, fenouil, moule verte de Zélande. Avec des herbes aromatiques. Est-ce qu'il y en a qui sont bons là-dedans pour elle? Pas particulièrement, mais il y a plein de petites herbes aromatiques en supplément. Donc voilà, ça c'est pour celle de Kitty. Je vais essayer de me faire des tas pour faire des photos après pour vous montrer ce qu'elle a reçu.
Et le dernier cadeau, vous, normalement vous avez suivi entre Instagram et les Dogmas, donc j'y ai acheté involontairement parce que c'était pas censé être pour elle, mais voilà, au moins c'est sa couleur et c'est à sa taille, donc j'y ai acheté un sac de transport ventral que j'ai dû réadapter à ma taille parce qu'il n'était pas du tout à ma taille. Donc comme ça Kitty maintenant je la porte totalement contre le plus haut possible contre ma poitrine pour qu'elle soit hors de portée des chiens et qu'elle ne soit pas secouée et ballottée parce que le sac est vraiment adapté à sa taille. Donc elle a eu ça en supplément pour son Noël. Donc on va continuer. Oui, tout à l'heure je vous ai pas montré aussi la tata qui a offert la pop pour moi a aussi offert un paquet de friandises pour les doudous donc de chez Maxizo, donc du multifit pour chat. Et elle m'a dit justement faudrait que j'aille voir, donc c'est 50 grammes de poulet et c'est idéal pour les tailles d'éducation. Quand je le mets dans des pochettes d'éducation, ça aura cassé moi-même les morceaux. Dans la section chat, on a ces petits morceaux là. Donc voilà. Donc on pourra rajouter ça aussi dans mes vidéos de produits naturels que je vous ai fait il y a pas longtemps. Donc ensuite, on va ouvrir celui de Lady. C'est pour toi Didou ? Oh, c'est pour Didou. Oh, qu'est-ce que tu vas sentir là-dedans ? Attends, maman va donner. Donc elle a eu, donc avec sa petite chaussette, de la team Serre d'Aigle. Oui, on reste toujours sur le thème Harry Potter, vous allez voir ça. Donc je lui ai acheté, et ce sera un petit peu pour tout le monde, mais je l'ai mis dans sa pochette. Donc j'ai repris des petits macarons. Au niveau compo, c'est pas bon du tout, c'est vraiment pas le top top. On a quoi ? Viande ou poisson à 19%, sous-produit de viande ou de poisson à 11,5%, protéines de volaille déshydratées. Plein de petites choses comme ça, de la pulpe de betterave. Mais je crois que ceux-là étaient mieux, les Nutri-Chef étaient mieux que ceux de chez... ceux de chez Amiform, de ce que j'avais vu. Donc je les ai pris puis ils étaient à moins 30% parce que voilà, c'était des fins de promo. Et donc c'est marqué Made in France et on a bœuf, poulet, canard, jambon fumé, saumon et thon. Donc ça je leur en donnerai tout à l'heure, je vous montrerai. Mais j'adore les voir manger des macarons parce que à chaque fois, ceux-là je les ai eu chez Animalis au passage. Et j'adore parce qu'en fait ils enlèvent la coque et ils prennent leur temps normalement, sauf les nus, ça c'est pas à chaque fois, pour manger la petite crème au milieu. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir et que j'ai voulu leur reprendre ça. Ensuite je lui ai pris, bien entendu, un sabot de veau. Non, Lexi, tu laisses. Lexi, tu auras le tien après. Pour la dernière, une pâtée également. Les pochons se ressemblent vraiment pas mal. Donc en gros, ils ont à chaque fois une friandise, un truc à mâcher et puis une pâtée. Donc là, je lui ai pris donc celui-ci, c'est organique, super saumon, agneau biologique, avec des carottes et des petits pois. Donc voilà, ça ce sera sa petite pâtée qu'elle va se manger en individuel ce soir, qu'on va mettre dans son liquid mat. Hop, donc là tout, c'est tout pour Lady, mais on va dire que de toute façon ils n'ont pas besoin de grand chose et que bah, dernièrement, involontairement, elle a eu quand même un nouveau collier grâce à Tata Annabelle. On va ouvrir celui de Sissou, donc avec la team Pouf Souffle, la même team que sa maman. On se demande pourquoi je suis aussi proche d'elle. Donc elle avait le fameux sweat que je devais vous montrer de chez Emma qu'on avait reçu, donc là c'est son nouveau sweat. J'essaie de faire un petit peu beaucoup couverte, mais on va montrer que ça te va, à quel point ça te va bien. Toi tu veux juste la friandise, tu dis mais maman arrête de m'enfiler, putain t'arrêtes pas de m'enfiler des couches de fringues. C'est un peu pas pratique parce que dedans, enfin en dessous c'est la fermeture. Et là en fond on l'a essayé pour être sûr. Et je sais que ça lui va bien et ça ira parfaitement pour le printemps. Parce qu'il est ultra léger mais il sera coupe-vent. Donc voilà, la Dudus elle est avec son nouveau sweat. Tu t'assois Alexis ? Mon bébé. Attends, je vais t'enlever le petit nœud parce que ça va te gêner, ça va. On enlève le petit nœud, ça te fait beaucoup trop de couches de vêtements pour une seule toutoute. Ensuite, elle a eu un paquet de Lucky Bites, donc les Chicken Bites, de chez Action. Et elle a eu un sabot de veau. Oups, un sabot de veau, mon bébé. Tiens, mon bébé. Bah oui, on a un pour tout le monde quand même. Vous vous battez pas. Non, Lady te bat pas, elle a le sien aussi, chacun le sien. Et en pâté, elle a celle-ci, donc c'était... La spéciale, elle a eu la traduction, ça, j'ai pas y arriver. Poulet et dinde en cocotte avec des carottes, de la courge, de l'orge perlé. Avec 60% de frais en 45% poulet et 15% dinde. Carottes bio, courge bio, machin, truc. Donc ça sera sa petite pâtée pour ce soir. Elle a été gâtée parce qu'il y a pas longtemps, elle en a déjà eu une rien que pour elle. Mais voilà, comme c'était son anniversaire, mais cette fois-ci ce sera pour Noël. Et ensuite, pour celui qui le mérite le moins... Non mais en fait non, j'ai oublié un truc. Pour Lexi, elle a également eu droit à un nouveau sac de transport. Oui, j'en ai enfin reçu un et cette fois-ci il est à la bonne taille. Donc j'ai changé de modèle mais on a gardé le même principe de pouvoir passer la tête ici. Donc ça va être bien pratique pour qu'elle puisse s'explorer quand j'ai besoin de la garder quand même un minimum enfermée si jamais on va sur Paris ou quoi. Donc celui-là, je ne me rappelle pas, c'est une marque que j'ai eue sur Amazon. Donc c'est Pet Cute. Et en fait le principe de celui-là qui est vachement bien, donc comme je vous disais, il y a cette partie-là. Il est quand même assez costaud. Vous avez une lanière qui est assez rembourrée. Mais sa texture toute fripée fait que en fait ça se pose très bien et c'est très rembourré pour l'épaule. La taille tombe parfaitement pour moi. Vous pouvez rouler ça pour que ça se maintienne ouvert.
Vous avez une attache qui s'enlève parce qu'en fait le sac peut, d'après ce que j'ai compris, se retourner pour se mettre soit en version été, soit en version hiver, parce qu'il y a une partie qui est soit sur la partie chaude, soit sur l'autre partie. Et vous avez aussi une petite pochette là devant pour mettre les affaires qui est assez profonde. Vous en avez une autre ici cachée dans la poignée qui est pareil très très profonde. Donc franchement, les avis étaient bons sur internet et effectivement elle a l'air d'être vachement pas mal. Et j'ai vu au moins des photos des clients qui l'avaient acheté pour des gros chiens, enfin des gros chiens, des chiens de presque 10 kg. Donc je savais qu'il était adapté. Donc voilà, on a un nouveau sac. Donc Kitty à la sienne pour les balades particulières et Lexi à la sienne, que ce soit pour moi les descendre dans les escaliers tous les jours, ou pour certaines sorties particulières aussi où j'ai besoin qu'elle, si jamais elle a besoin de se cacher. Donc voilà pour son autre sac. Et donc je disais pour le petit monstre qui ne mérite pas sincèrement ses cadeaux de Noël, mais bon, que voulez-vous, il va vite se sauver parce que lui aussi il a son sabot de veau. Hop, il file déjà dans sa cage en mode petit gremlins. Il a eu un paquet de friandises NutriChef aussi, donc ce sont des sablés à l'anchois de Collioure. Avec 15% d'anchois, sous-produits végétaux, donc fibres alimentaires, amidon de blé, blé, maïs, parce que c'est forcément c'est une forme de cookie, donc il y a un peu de base farineuse et compagnie. 30% à 30%, donc 15% de pulpe de betterave et cellulose, levure, céréales, huile et graisse. Voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Donc il y a 100 grammes, donc ils auront des petits biscuits après que je vais pas tarder à donner. Et lui aussi a également sa petite pâtée. Donc c'est le spécial pour chiots que j'ai pris. Ils ont chacun un goût différent et cette fois-ci c'est recette biologique pour chiots au poulet et aux légumes. Voilà pour la petite pâtée pour Amaury. Donc ça c'est tout ce que les doudous ont eu. J'ai pas fait quelque chose de folichon parce qu'ils ont pas spécialement besoin de grand chose. Donc j'aurais juste acheté de quoi leur faire plaisir, refaire un peu de stock de friandises. Le petit repas spécial ce soir qui ne les rendra pas malades parce que ce ne sont pas des restes de Noël de nous. C'est juste qu'ils auront une pâtée qui est de très bonne composition pour se faire plaisir sans les rendre malades. Déjà que donner de la pâtée en 100% comme ça parce qu'ils ont quand même le barf, mais bon voilà. C'est le petit cheat meal de l'année où ils ont le droit d'avoir leur repas de base plus, sauf pour Lexi, j'évite quand même, plus la pâtée individuelle qu'ils ont que pour eux. Ensuite, maintenant qu'ils sont tous bien occupés, je vais pouvoir ouvrir mes propres cadeaux de Noël que je me suis offert en grande partie. Donc vous avez vu que le premier, sauf c'est moi, c'est pas moi qui me le suis offert. Donc, j'ai enfin reçu celui avec lequel j'avais pas mal de déboires, pareil, que j'ai du mal à recevoir à cause de la poste. Encore une fois, j'ai enfin pu recevoir mon dernier produit que je voulais vous montrer de chez Emma que j'ai acheté. Et en fait, c'est un parapluie transparent pour enfants. Et dessus c'est un dessin de teckel avec marqué ouf dessus et il est totalement transparent. Donc je vais pas l'ouvrir ici parce que bon, moi je veux dire que je suis pas superstitieuse pour le coup. C'est hop, donc il est tout petit. Mais l'avantage c'est que moi souvent j'ai pas besoin d'un grand parapluie et que j'aime bien quand ils sont transparents parce que moi je vois où je vais. Et donc on voit le petit ouf qui est dessus. Donc là c'est un des trucs qu'il y a aussi chez Emma avec un thème chien. Donc oui je sais c'est pour les enfants de base mais moi j'adore les parapluies pour enfants. On le replie tranquillement. Et donc oui, Emma me l'avait envoyé en deuxième partie dans un autre colis, ce qui n'avait absolument pas été pratique. Donc ensuite, je me suis offert donc... parce que je les avais plus du tout, je les avais tous donnés. Parce qu'en plus j'avais à l'époque mes rats qui avaient un peu ruiné parce qu'ils montaient dans mes bibliothèques de livres, donc ils avaient tout bousillé. Donc je me suis racheté le tome 1 de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Mon tout premier livre que j'avais eu, je l'avais eu en 2001 quand j'étais rentrée au collège et tout. Mais là j'en ai racheté un, il y avait plusieurs éditions différentes, mais moi j'ai décidé de collectionner celle-ci. Donc c'est un format poche, donc ce sont ceux de chez Gallimard Jeunesse. Et j'aime bien parce que bah, les dessins qui sont dessus sont beaucoup plus sympas qu'à l'époque, j'aime beaucoup. Après bon la tranche est basique, mais comme ça je pourrais remettre ça dans une étagère bien propre. Donc je vais pouvoir relire tous les bouquins dès le départ, ça fait des années que je les ai pas lus. Parce que déjà, comme je vous dis, j'avais dû faire de la place et je m'étais débarrassée de toute ma collection. Parce que j'avais eu un côté un peu down au niveau Harry Potter, j'en avais eu un petit peu marre. Et j'avais besoin de place, donc voilà, maintenant comme ça j'en me suis repris un. Donc là, je vous dis que mes cadeaux de Noël tournent autour d'Harry Potter. Ensuite, pour rester dans le même thème, quand je suis allée à Primark, je me suis acheté un nouveau sac. Et c'est un sac Harry Potter type sac d'écolier. Alors ça, je vais m'en servir, bien entendu, sachant qu'en plus il y a une lanière à l'intérieur. En plus je l'ai eu à moins 50%, j'étais trop contente. Et ok, c'est pas mon style habituel, il y aurait eu un cuir noir, j'aurais plutôt pris le cuir noir, mais au moins comme ça en plus avec mes séances photo, je vais pouvoir me faire une séance photo avec moi-même parce que j'ai la tenue de pouf souffle d'école de sorcier, donc ça va être juste parfait. Parce qu'il n'y a pas plus d'une maison de l'autre qui est marquée, c'est vraiment l'école de Poudlard, on a vraiment le blason Poudlard. Et c'est marqué propriété de l'école Poudlard pour les élèves de Poudlard, et aussi là on a un petit vif d'or. Donc ça s'ouvre en comme ça, ça fait vraiment typiquement le sac d'écolier. Il est rembourré à l'intérieur.
On a deux grandes pochettes sur le devant et si on veut, on peut aussi porter en bandoulière, ce qui est très intéressant. Et à l'intérieur, c'est juste une simple grande pochette qui est également doublée. Donc ça, je suis trop contente. La dernière fois, j'avais hésité à le prendre et finalement, je l'ai pris parce que bah voilà, pour compléter mon look, mes collections et tout. Et le fait que comme ça, je pourrais faire des séances photos aussi avec les chiens. Donc voilà, Cécile, de quoi je te parlais. Si jamais on veut faire des séances photos avec les doudous sur le thème Harry Potter, je sais que toi, t'as investi dans des accessoires de ton côté. Moi également, donc on va pouvoir se faire une petite session photo sympa. Après, celle-ci, la poignée, pardon, je vais pas penser à la beaucoup parce qu'elle me paraît ultra cheap et je pense pas que dans le temps, elle tienne. Il faut que je coupe quelques petits fils qui dépassent. Mais voilà, je me suis acheté un sac Harry Potter. Ensuite, pour rester dans le même thème, donc à mon boulot, je me suis acheté donc une petite pochette comme ceci, donc parce que j'avais repéré une pochette un peu dans le délire de chez Le Dog, mais sauf qu'elles étaient beaucoup trop chères, j'avais pas les moyens de me racheter un truc en plus, donc j'ai trouvé cette petite pochette là qui me servira quand j'ai pas besoin d'emmener grand chose, donc ça pourra contenir mon téléphone, les sacs à crottes et quelques petits basiques de soins pour les doudous quand on fait de la marche. En fait, c'est une banane moderne, en fait, elle se fixe en ceinture autour du corps et je pourrais ranger quelques petits trucs sympas à l'intérieur. Et forcément, je l'ai pris en rouge. Et dedans, il y a une petite pochette à l'intérieur aussi. Mais c'est un petit sac qui est tout basique. Donc voilà, comme ça, ça va être bien pratique pour les futurs balades. Ensuite, ce que j'ai reçu en cadeau hier par ma belle famille, je suis trop contente. J'ai reçu donc, comment ils appellent ça, un gloss translucide iridescent. En plus, iridescent, moi j'adore ça. Donc par contre, je ne connais pas la marque Incredible. Donc s'il y en a qui connaissent, je sais que ça venait de chez Sephora. Il y avait le packaging de chez Sephora. Et pour la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, oui, j'ai 29 ans et pourtant, j'ai reçu ma première palette. Donc c'est une palette de chez Huda Beauty. En plus, bah, je me maquille quasiment pas parce qu'en plus, je sais que le prix de ce genre de palette, et c'est clairement pas le genre d'argent que je veux dépenser là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est que j'ai toujours acheté des palettes à 2 francs 6 sous, comme dirait l'expression, chez Action, et que bah, les couleurs, ça tient pas réellement sur les paupières. Donc voilà, je vais enfin pouvoir voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai des talents de youtubeuse à force de regarder des vidéos? Je ne sais pas, mais en tout cas, je connaissais cette marque qui est pas mal parlée par Elsa Makeup. Je sais qu'elle a pas mal parlé de Huda Beauty, et donc elle est vachement sympa. Je vais faire ma youtubeuse beauté. On va cacher le miroir. Alors là, moi, je savais pas à quoi ça servait, mais le truc, c'est que sinon, vous allez voir mes parapluies, je vais vous éblouir. Donc c'est les teintes nude. Donc c'est toutes les teintes qui me correspondent totalement et qui vont avec mon teint. Donc on a ça va du rose, rouge, violet, prune et compagnie. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et voilà, j'ai un miroir, on m'a perdu. Palette de maquillage et j'ai hâte de pouvoir jouer avec et de la tester. En attendant, je la range. Fabriquée en Chine, par contre, quel dommage. Ça veut dire que ça a sûrement très certainement et obligatoirement été testé sur les animaux. Donc, et après les derniers cadeaux que je me suis offert, enfin, depuis le temps que je veux investir. Donc oui, j'ai craqué ma prime de Noël là-dedans. Je me suis offert des pièces de PC. Donc que je me trompe pas sur les termes, mais je sens qu'il y en a un qui va regarder ma vidéo qui va dire « Ah, tu t'es encore trompé, ouais, mais c'est pas mon domaine !» Donc ça, je sais que ça, ce sont des RAM. Donc ne fouillez pas à la référence que tu as, en fait. C'est mon copain qui a récupéré les nouvelles que j'ai achetées et que moi, j'ai récupéré les anciennes. Je cherche pas à comprendre pourquoi. On a nos raisons. Et donc voilà, j'ai mes nouvelles RAM que j'ai récupérées de mon chéri qui vont aller dans mon PC. Juste après, dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, on va s'occuper d'upgrade totalement mon PC parce qu'il en a absolument besoin, je n'en peux plus, il est complètement obsolète comme on fait nos PC nous-mêmes. Ensuite donc je me suis pris, donc ça je crois que c'est la carte graphique, c'est ça, ça c'est la carte graphique, donc pour tout ce qui est résolution d'image et compagnie, pour que voilà ça soit beaucoup plus joli. Donc on a acheté celle-ci. Donc je sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est du Asus, mais après voilà, vous avez toute la référence ici. Je sais que pour au total j'en ai presque 300€ de ces 3 pièces. Oui, les pièces PC coûtent hyper cher, surtout quand vous faites vos PC vous-même. Et voilà, c'est pas juste histoire de mettre. Si mon PC a vraiment besoin de toutes ces pièces là pour que je puisse vous faire tous vos montages, que je puisse jouer aussi aux jeux vidéo, mais il faut que je puisse utiliser les logiciels pour vous faire des super montages et compagnie. Oui, ma chaîne YouTube, ça ne me rapporte quasiment rien quand on voit l'argent que je dépense, tout ça. Honnêtement, rendez-vous compte, entre les pièces de PC que je suis obligée d'acheter pour pouvoir être toujours à jour, pour pouvoir vous faire des montages de malade, pour pouvoir utiliser les derniers logiciels qui sont sortis, pour pouvoir investir dans tous les produits que vous voyez que je vous montre, ma chaîne est un gouffre financier pour moi. Donc ne croyez pas que être sur YouTube quand on veut faire les choses bien et rapporte de l'argent, parce que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, en tout cas la carte graphique que j'ai et que j'ai hâte d'installer juste après. Je vous montrerai le résultat après quand on sera en train de faire. Je filmerai peut-être quand je serai en train de les installer, sous la supervision du chéri qui est bien plus doué que moi dans le domaine.
Et ça, c'était mon processeur, si je me trompe pas. Processeur de chez AMD, donc ceux qui veulent savoir les références, c'est ici. Peut-être en intéresser certains qui comprennent quelque chose. Me demandez pas de termes techniques, j'en sais rien. Fait en Malaisie. Ok. Donc voilà pour mes trois dernières pièces. Donc voilà pour tous nos cadeaux. Je trouve qu'on était assez soft. Moi j'ai investi dans quelques trucs. C'est vrai que mes affaires qui ont coûté le plus cher, honnêtement, je vous dirais pas le contraire. Les doudous ont pas eu plus de cadeaux que ça, mais je voulais pas acheter pour acheter. Donc vous avez vu aussi les cadeaux de Skull qu'il a eu tout à l'heure. Donc je pense que tous les doudous sont satisfaits de leurs cadeaux. Je pense que je vais pas les embêter avec les photos. Je vais m'attaquer à m'occuper de mon PC. Et puis bon, on se retrouvera tout à l'heure dans la journée pour venir sur un peu tout ça. Mais en tout cas, moi là, je vais descendre avec le PC. Ce qui est sûr, c'est que je vais ranger tous les sabots de veau parce que j'ai peur qu'ils se battent avec. Ou alors je les enferme parce qu'il y a pas de raison qu'ils s'étouffent avec ça. Non, les doudous. Qu'on va déshabiller tout le monde et je les laisse profiter de leurs os pendant que moi je vais m'occuper de mon PC. Donc j'espère que l'ouverture du cadeau vous a plu. Puis je vais faire vite fait une petite story. J'ai oublié complètement pour les cochons d'Inde. En même temps, peut-être que j'ai oublié parce que je sais que je vais encore me faire assassiner. Mais c'est pas grave. Donc je leur ai pris la dernière fois chez Animal Expo. Donc ça, ce sera leur cadeau de Noël parce que je savais pas trop quoi leur offrir. Enfin si, je vous raconte après. Donc je leur ai pris ces barres de friandises là qu'ils auront tout au long de l'année. Ils vont pas l'avoir en une seule fois. Ça va être bien bien réparti. Donc s'il y en a un, c'est à base de miel et d'épeautre. L'autre, on a à base de légumes et de betteraves rouges. Et le dernier, c'est à base de citron et orange. Donc voilà, les petites barres comme ça qui vont être largement écoulées sur l'année pour pas en donner trop parce que de toute façon ils n'ont pas fini ceux que je leur ai donné hier. Et puis oui, ils ont eu à la base une petite boîte de mélange de friandises de chez Maxezo qui leur était réservée pour Noël. Donc il y avait une couche de chips de banane, une couche de fleurs séchées et une couche de pissenlits séchés. L'autre jour, mon chéri voulait jouer un petit peu avec eux et il voulait leur donner des friandises. Je dis bon, on va piquer un petit peu dans la boîte de Noël. C'est pas grave, ça se verra pas la différence en vidéo. Sauf que mon chéri a laissé poser cette boîte sur leur cage, ils l'ont renversée et un matin je les ai retrouvés, ils avaient grignoté toute la boîte. Donc bah voilà, je n'ai plus leur cadeau de Noël le deuxième, mais on va dire qu'ils se sont servis en avant. Voilà. Là on est en train de photographier toutes les séquences de vidéos qu'on a fait. Donc là on est en train de photographier tout ce qui est le trou de mon bébé. J'ai mon stream en même temps. Je suis en train de photographier tout ce qui est de la box naturelle. On a photographié tous les cadeaux des doudous, ce qui n'a pas été de mince affaire, ce qu'ils font tous le bordel. Avec leur sabots de veau, ils n'arrêtent pas de se disputer, de se les voler les uns les autres. Enfin, c'est le bazar. Voilà, j'ai mes petites photos, je peux en mettre sur Insta. Ce qui me fait rire, c'est que c'est elle qui s'est posée comme ça toute seule, elle est trop chou. J'en profite. Normalement, c'est pas prévu que je fasse trop de photos avec elle, mais bon. Parce qu'elle est là, on en profite. Et voilà ma Hello Kitty Gamers trône fièrement en haut du PC. Sa place est juste toute trouvée. Et accessoirement, on a aussi tout installé. Donc mon nouveau ventilateur qui est rouge. Avec les pièces qui sont là, blanches, les deux rames que vous voyez là. Et c'était pas tard, c'était pas une carte mère, c'était... Non, justement, c'était pas une carte graphique, c'était une carte mère que j'avais d'installer. Voilà, tout est installé à l'intérieur. Donc à la fin de la semaine, il faut que je m'occupe de changer les doudous parce qu'ils ont fait caca partout. Les petites barres ont l'air de leur plaire parce qu'ils les ont bien terminées. Donc les autres vont être de côté, d'ailleurs faut que je leur donne de l'eau, ils ont plus d'eau. Putain, les mêlés. Et ça c'est la fameuse boîte de friandises qu'ils ont fini. Donc dedans il y avait des fleurs séchées, de la banane, des bouts de pommes j'ai l'impression, du pissenlit séché. Je leur redonnerai un petit peu la fin mais un peu plus tard. Ils ont déjà ces cochonneries là à finir. Vous avez vu le beau pyjama Didou? J'avais acheté un pyjama sur AliExpress quand... je sais plus. Quand il n'y avait pas encore Alexis à la maison et qu'elle pouvait pas se réchauffer toutes les deux, Lydie elle avait un peu froid la nuit. Alors je mettais un pyjama. Ah c'est vrai. Comme ça si jamais un jour on a une coupure de chauffage, on peut mettre le pyjama pour faire dodo. Parce que Amaury, vous voyez ce qu'il vient de faire? Il vient de piquer l'os. C'est pas le tien. Il en a déjà. Il essaye de piquer tous ceux qui croisent pour les mettre dans sa cage. Bah oui, bah tiens, le tien si tu le cherches, il est dans la cage à ton frère. Ça, je te le dis, hein, c'est pas moi. Oui, normalement, celui avec la trace noire, c'est le tien. Bah, t'as qu'à en chercher un autre. Donc là, j'ai pris en photo ce que je me suis offert. Comme les filles, elles squattent, je prends les filles en photo avec en même temps. Je vais leur donner un petit peu de macarons juste après. Donc là, ce sont les pâtés que je leur ai offerts. Là-dedans, c'est la boîte que Cécile m'a offert pour le squat. Dedans, il y a les friandises qui sont pré-ouvertes. J'ai d'ailleurs récupéré toutes les friandises Rocco du chéri parce qu'il voulait pas les donner à Skull. Là, c'est toutes les friandises que j'ai pu prendre en photo et qu'on a de côté. Là, je vois Jack pour donner le cadeau. Donc, on a bien vidé le carton qui est là-bas. Donc, je pense que je vais faire une pause photo et on verra après pour prendre les photos du swap de Cécile. On a déjà bien travaillé, il est déjà 18h passé. Donc, il faut jouer poubelle, ranger, compagnie.
Je veux juste vous faire voir les macarons avant. Mange macarons ? Donc je voulais revenir vers vous au sujet de ce que j'ai dit par rapport à Yves Rocher qui serait testé sur les animaux. Alors, Difoule la Cour, donc qui est sur Instagram, m'a envoyé un message en me disant que non, Yves Rocher ne testait pas sur les animaux. Alors, à la fois, il y a tort et raison dans les deux parties, ça dépend du point de vue dans lequel vous vous situez. Soit vous êtes légèrement tolérant et effectivement, Yves Rocher le dit clairement sur son site, ils ne testent pas sur les animaux et ce depuis 1989. Et ils font tout pour ne pas du tout tester sur les animaux, ils ont même reçu la médaille d'or en 1992 de la SPA parce qu'ils justement ils sont engagés contre la lutte justement contre les tests sur les animaux. Donc ça, si vous êtes juste au fait que ce ne soit pas testé volontairement de la part de la marque contre les animaux, donc il n'y a pas de souci, ne teste pas sur les animaux. Donc c'est bien marqué en clair sur leur site, et j'ai vu plusieurs endroits où c'était marqué qu'ils ne testaient pas sur les animaux. Ils se sont fait retirer quelques labels, mais apparemment c'est parce que certains labels maintenant ne demandent aussi que du bio, ce qu'ils ne font pas. Donc voilà. Ensuite, sinon, si vous n'êtes pas tolérant, c'est comme avec beaucoup de marques maintenant, où vous ne voulez pas du tout que la marque même travaille avec des gens qui testent sur les animaux. Il s'entend que justement, eux envoient sur la Chine, et le problème de la Chine, c'est que peu importe que les produits sont testés ou pas sur les animaux, quand la Chine... fait de l'importation du produit extérieur, ils vont automatiquement le tester sur les animaux malgré tout. Que la marque le fasse ou pas, ils le testent sur les animaux. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez malgré tout soutenir la marque qui accepte d'envoyer vers des pays qui vont malgré tout tester leurs produits sur leurs animaux ou pas. Eux envoient quand même sur la Chine, donc tout leur produit Yves Rocher rentrant sur le territoire chinois sera testé sur les animaux. Donc apparemment, qu'est-ce qu'ils mettent ? Les autorités chinoises peuvent décider de tester elles-mêmes les produits cosmétiques sur les animaux, quelle que soit la marque, avant leur commercialisation sur le territoire chinois. La Chine, sur ce point, est la seule à décider. Mais nous ne baissons pas les bras afin de les sensibiliser au sujet de la souffrance animale. Nous avons fait le choix d'agir sur place et d'utiliser notre implantation locale pour tenter de changer les choses. Nous entretenons pour cela un contact avec les plus hautes autorités chinoises concernées. Notre objectif est de convaincre qu'il y a aujourd'hui des méthodes alternatives efficaces et fiables. Voilà pourquoi vous savez ce qui se cache derrière le fameux mot « vegan ». Ouais, parce qu'apparemment la marque est reconnue « vegan », de ce que j'ai compris. Donc tout d'abord, ce que vous deviez savoir... est-ce que vous saviez que chez Yves Rocher, nos produits sont à 100% végétariens et 88% vegan ? Eh bien voilà, maintenant, vous le savez. Et oui, végétarien, vegan, mais ça veut dire quoi au juste ? Donc voilà. Pour plus de précision, parce que je ne voudrais pas que des gens arrêtent d'acheter la marque en ne sachant pas les raisons pour lesquelles. Donc soit vous ne voulez pas que Yves Rocher soutienne accepte le fait que ce soit potentiellement testé en Chine, donc vous n'achetez pas la marque. Soit tout ce qui vous intéresse, c'est que la marque en elle-même, en France, ne teste pas sur les animaux et vous achetez quand même. Donc voilà, mon point de vue a un petit peu changé. Je pense que comme j'en achète qu'une fois par an et que c'est pour faire les cadeaux de Noël, je pense que je continuerai à acheter la marque de manière exceptionnelle parce que niveau budget, pour moi, ils sont imbattables. Juste petite précision que je pense qui était assez importante. Donc merci à Difoule la Cour d'être venu m'envoyer un petit MP Insta, comme ça je réagis automatiquement et moi je poursuis mes recherches puisque comme j'avais un avis pour, un avis contre, je voulais un peu trancher. Même si on n'est jamais à l'abri que ce qui est dit sur les sites est faux, mais de ce que j'ai vu passer sur les autres articles, ça a l'air d'être vrai. Voilà. Donc, le repas de fête des doudous, donc Kitty qui a son barf.
la pâtée de Lily's Kitchen au poisson. Donc finalement, j'ai pas mis une barquette à elle d'auteur parce que vu la taille qu'elle fait, c'est même pas la peine. Elle a eu dans son petit truc Mickey. Je lui mets des croquettes quand même un petit peu pour lui faire plaisir, si elle l'occupe. Pour Amaury, son bar plus du Lily's Kitchen au poisson. Il a fini la deuxième partie de la barquette à Kitty. Pour Lexi, du Lily's Kitchen à base de les carottes, petits pois, si je crois. Et pour Lady, c'est Lily's Kitchen à la dinde et au poulet. Donc voilà, pour le petit repas de fête, alors que nous, comme vous avez pu voir juste avant, on s'est fait un petit KFC. On va manger les filles, toujours on sort à pyjama. Allez, je vous donne ça. Voilà, il est donc minuit moins 20, donc les doudous sont en train de manger leur petit repas bien sympathique. Donc je ne sais pas encore si je vais filmer demain ou pas, tout va dépendre de ma réception de colis ou non. Parce que je dois recevoir deux trucs. Donc je sais pas, vidéo demain ou pas, ça va être... je sais pas encore. Et sachant qu'aussi, depuis ce matin, ce col est malade, ça fait 2-3 jours qu'il ne veut pas vraiment manger. Et aujourd'hui c'est gerbance sur gerbage, donc demain on sait pas encore si on va aller chez le véto ou pas. On surveille ça de près, et puis de toute façon on vous tient au courant. Voilà. Et on sait pas si c'est le fait qu'il ait bu de l'eau pas propre, qu'il fasse trop froid, qu'il traîne trop à manger, le poisson un petit peu tourné, on sait pas, c'est un peu... On a un gros doute, donc on surveille, et puis si demain ça passe pas, direction le véto. Donc avec les doudous qui se régalent, tous de leur côté. Kitty a d'ailleurs du mal à manger un peu ses gamelles en ce moment. Donc tous les doudous. Comme là-haut, les cochons d'Inde qui mangent leurs légumes. Donc voilà, je vais donc clôturer le dogmas, le dernier dogmas officiel pour aujourd'hui. Et j'espère donc que cette série de 26 vidéos vous aura plu. En tout cas, les vues ont plutôt bien été assez constantes, seules celles d'hier et d'aujourd'hui. Mais je comprends, vous ayez été en famille, donc les nombres de vues n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais je pense qu'ils vont peut-être venir dans la semaine, le temps que vous ayez le temps de regarder le reste des vidéos. En tout cas, merci pour votre fidélité, vos nombreux commentaires, votre présence. Et votre soutien dans toutes ces vidéos, ce qui m'a fait énormément plaisir. Donc si ça vous botte, on fera ça l'année prochaine. En tout cas voilà, n'hésitez pas pour continuer à me liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à regarder une petite pub sur YouTube. En ce moment il y a pas mal de pubs avec le fait que ce soit encore le fait de fin d'année. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera soit lundi prochain, soit demain. Je ne sais absolument pas encore. On verra. Surprise, surprise. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et je vous dis donc à la prochaine. Bisous.